Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, j'ai une question, je ne me souviens plus de qui, j'en suis désolé auprès de lui, mais j'ai une question sur le firmware d'un appareil photo. Je me souviens plus de qui m'a posé cette question, malheureusement, et je ne veux pas dire de bêtises. Donc, c'est une personne qui me posait la question de savoir si ça valait le coup de faire les mises à jour du firmware, parce qu'il s'était rendu compte que son appareil photo lui disait qu'il y avait des nouvelles mises à jour, où il avait reçu un mail du constructeur de l'appareil photo qui lui avait dit qu'il y avait des mises à jour pour le firmware et qu'il fallait faire les mises à jour. Alors il me posait la question, il avait des doutes, il avait des craintes, je pense, quand on n'est pas trop au fait de ces choses-là. Il avait des craintes et il avait peur de faire la mise à jour du firmware. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire les mises à jour de firmware? C'est pas obligatoire. L'appareil photo fonctionnera sans les mises à jour de firmware. Par contre, les mises à jour de firmware peuvent être intéressantes et importantes dans la réparation de certains problèmes informatiques liés à l'intérieur de l'appareil photo. Il peut y avoir des bugs avec certaines fonctions, ça peut créer certaines difficultés, des options, des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a un problème de code. Donc les firmwares sont là pour, les ingénieurs vont corriger tous ces petits problèmes. Parfois, des mises à jour de firmware vont permettre d'avoir des options supplémentaires. L'appareil photo pourra faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avec la version précédente. Du style, moi avec le Sony, je me souviens quand on a eu la mise à jour firmware qui nous permettait d'avoir la mise au point avec l'œil sur les animaux, par exemple. Donc jusque-là, on avait que la mise au point sur l'œil, reconnaissance de l'œil de l'humain, mais on n'avait pas la reconnaissance de l'œil des animaux. Et il y a une mise à jour firmware qui nous a permis d'avoir une reconnaissance de l'œil des animaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc moi, j'ai fait la mise à jour firmware pour ça. Alors comment est-ce qu'on procède à la mise à jour du firmware? Déjà, première chose, on regarde la notice de son appareil photo. Alors bien souvent, ce qu'il faut faire, c'est avoir une batterie chargée pour commencer, que l'appareil photo ait un maximum d'énergie pour pouvoir faire la mise à jour. Ce n'est pas obligatoire systématiquement, mais c'est toujours une bonne chose d'avoir de l'énergie en quantité suffisante dans l'appareil photo. Ensuite, il y a une position au niveau mise à jour firmware où on va dans le menu, on va se mettre dans la position mise à jour. On va vérifier le numéro du firmware, on va se mettre dans la position mise à jour, on va brancher l'appareil photo à l'ordinateur et on a une procédure à suivre sur l'appareil photo et sur l'ordinateur. Souvent, parfois, il faut télécharger un petit logiciel, mais rien de bien méchant. Il y a juste à suivre les procédures. Alors après, si vous avez des doutes par rapport à votre appareil photo pour ces mises à jour firmware, regardez sur YouTube. Sur YouTube, ça sera bien rare si vous n'avez pas une vidéo en français ou en anglais, mais vous verrez les fonctions sont souvent les mêmes. Il y a juste le langage qui va changer, mais vous comprendrez si la technique est facile ou pas en regardant les vidéos. Mais vous trouverez facilement des ressources pour vous aider dans cette démarche. Souvent, le constructeur va vous mettre une méthode pas à pas en PDF. Où vous pourrez procéder à la mise à jour du firmware sans aucun problème. Une chose qui est importante, c'est de ne jamais débrancher l'appareil photo ou de ne pas l'éteindre pendant la mise à jour. Vraiment, n'y touchez pas, laissez faire les choses. Attendez que sur l'ordinateur, l'écran vous dise que c'est OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez débrancher, on vous préviendra à ce moment-là. Donc rassurez-vous. Si vous faites les choses correctement, il n'y aura strictement aucun problème. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté majeure, c'est comme pour nettoyer son capteur. Quand on respecte les procédures, il n'y a strictement aucun problème. Par contre, si on fait un peu n'importe quoi en dépit du bon sens, sans se renseigner sur la méthode, sur le protocole précis à suivre, sans avoir le bon matériel, les bons câbles ou je ne sais quoi, c'est là où on se met en situation d'avoir des soucis. Mais autrement, en général, il n'y a strictement aucun problème. Donc rassurez-vous, renseignez-vous, prenez les documents nécessaires pour ça, regardez dans votre notice et regardez sur YouTube et vous verrez. Faire la mise à jour du firmware, ça, je pense que c'est quelque chose d'important, de nécessaire. Si vous ne le faites pas, l'appareil photo fonctionnera comme il a toujours fonctionné jusque-là, rassurez-vous, mais c'est toujours préférable de faire les mises à jour. Voilà les amis, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!